Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ou remontrer pour certains les chiffres de 1 à 100. Donc tout d'abord, on a les chiffres de 1 à 12 qu'il va falloir apprendre par cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, on va pouvoir combiner. Donc, comme vous pouvez voir, le 10 se retrouve dans chaque chiffre, un peu comme le teen en anglais. 18, par exemple, 18. Donc, ici, on va tout simplement prendre notre chiffre en haut et on va ajouter un 10. Donc, en fait, on va dire 3 10, si on traduit mot par mot. 3, 10, 4, 10, 5, 10, 6, 10, 17, 18, 19, 20. Donc ici, attention, on ne prend pas le S, d'accord? Et deuxième exception, le 17, où on ne prend pas le N. Sinon, tout est régulier. Donc, on a dit ensuite que 20, c'était 20. Vous allez voir que pour continuer, on pourra tout simplement combiner aussi. Alors, la seule et unique exception restera malheureusement le 1, où il faut juste enlever le S par contre. Donc, ein, on prend le 1, le und, qui veut dire et puis on ajoute 20, qui voulait dire 20. La dizaine donc. Ein und 20. La même chose, vous voyez pour le 2, hop, und. Et puis la dizaine, 22, 23, 24. Là, je continue pas, je saute directement, 28. Pour que vous voyez que ça marche vraiment après avec tous les chiffres pareils. Donc, en fait, il faut juste apprendre les dizaines. Et même ça, c'est simple parce que vous voyez ici que les chiffres reviennent exactement comme là-bas, il faut juste mettre le petit « si » à la fin, donc « 30 », seule exception, « 40 »,« 50 »,« 60 »,« 70 »,« 80 »,« 90 ». Et puis, juste pour vous montrer que ça marche vraiment avec tous les chiffres après, donc par exemple, si je veux dire « 98 », je prends donc le 8 d'abord, je cherche mon 8, hop là, il est là. Je le mets tout devant, j'ajoute un « et » « und » et puis j'ajoute la dizaine, on avait dit « 90 ».« 98 » qui veut dire « 98 ». Et le dernier chiffre, qui ressemble beaucoup à l'anglais aussi, « 100 » ou, version courte, « 100 ».